Salut à tous. Bon, du coup, vous l'aurez compris, ça s'est pas terminé aussi bien que prévu. Donc, on reprend. On avait purgé plusieurs fois le liquide de refroidissement pour enlever la mayonnaise. Et maintenant, bah, on va essayer de trouver la panne parce que c'est pas juste des restes d'huile dans mon circuit de refroidissement quand j'ai déplacé mon moteur. Bon, démontage. Du coup, on remarque que bah, y a toujours de la mayo. Donc j'ai de la mayo dans le vase d'expansion. Alors je sais pas si on va bien la voir. Mais pas vraiment. Non, on voit pas très bien. Donc la possibilité c'est que ça passe par ce conduit d'eau qui refroidit l'huile ici. Parce que en fait, le refroidissement de l'huile. Alors attends. C'est le pont. Hop! Parce qu'en fait, le refroidissement d'huile de ce modèle de moto là, Voilà. le refroidissement d'huile, donc l'huile elle monte par cette durite qui est là, ici là, pour venir graisser le haut moteur, mais la redescente d'huile en fait se fait par la distri qui est derrière ça. Donc si j'avais un joint de culasse, vu que les pistons en fait, donc du coup sont lubrifiés par en haut, mais quand ton moteur il tourne pas, du coup, ton moteur est plein d'eau et la pression d'eau, en fait, passerait dans l'huile. Donc, si c'était un joint de culasse, ça passerait par là. Donc, l'idée, la première supposition, mais gusta la mayo. La première supposition, ce serait que soit ça vienne de cette durite de refroidissement qui est ici, soit que ça vienne de la pompe à eau. Sauf que elle, normalement, elle est censée être scellée dans le moteur. Donc, on va déjà regarder si ça vient d'ici ou d'ici. Donc, pour ça, déjà, on va vidanger les fluides. Bon alors maintenant, on a tout plein de maillots partout. On va démonter ça là-bas pour enlever le radiateur. Après, on a une vis ici, on a la même de l'autre côté. Puis là, on a des clips ici. Donc on va démonter tout ça pour sortir le radiateur. Parce que dans tous les cas, il va falloir le passer au karcher pour le nettoyer et ainsi aussi sortir les durites parce qu'elles sont... Elles sont toutes pleines de merde quoi. Parce que là, du coup, cette fois-ci, j'ai mis le flash. Mais si on regarde dans le vase d'expansion, voilà, il y a une belle mayo dégueu au fond quoi. Voilà. Donc il va falloir tout nettoyer au karcher pour éviter de tout reboucher. Et puis même regarder là, dans le radiateur. Voilà. Sachant que toute cette partie basse du radiateur, là, il y a encore plein d'eau et plein de merde. Donc voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, il y a un bloc de maillot. Alors, c'est difficile de cadrer avec le téléphone. Et dans la pompe à eau, plein de maillots. Bon, allez, on vidange le moteur du coup. Et voilà, le radiateur est posé. Donc, comme je disais, il y a juste la barre en dessous et quelques poivres d'urite. Il faut penser quand même à, avant de démonter, débrancher le câble du haut qui est sous les carbus là-haut. Et celle-là, sinon après vous avez le radiateur qui tombe et qui tient par les fils, c'est pas cool. Voilà, allez, c'est parti, vidange du moteur. Bon, ben, je viens de dévisser la pompe à eau et surprise, motherfucker! Voilà, de l'huile qui coule de la pompe à eau. Genre, j'ai juste enlevé le carter. Donc, j'ai bien un problème d'étanchéité de la pompe à eau. Voilà, ma mayo vient d'ici. Impressionnant, hein? Voilà. Ça va faire une belle photo souvenir. Bon, ben je sais comment mon moteur il s'auto-vidange maintenant. Je sais pas si c'est drôle. Je sais pas si c'est réparable. Je sais pas. Mais bon, là déjà, bon, ben, c'est pas un jeune culasse, les gars. C'est bien la pompe à eau. Voilà! Bon, ben heureusement que j'ai gardé mon ancien moteur que j'avais cassé. Hein, parce que mine de rien, je vais avoir besoin des pièces qui sont dessus. Donc ben, je vais chercher la pompe à eau qui était censée fonctionner sur l'ancien moteur. Donc, on enlève les trois vis, maintenant on enlève les lisses. Allez. Moi, je suis même pas sûr qu'il faille enlever l'hélice. Non, faut pas enlever l'hélice. Les blocs. Pompe à eau, pompe à huile.
aux pompes à huile. Merci, second moteur. Bon, ben on remonte tout pour. Enfin, on remonte tout. On nettoie, on remonte tout, on purge et. Ben non. En fait, la moto elle déclenche pas. Déclenche à 117 degrés. Donc c'était. Donc oui. Déjà, c'était pas un problème de pompe à eau vu que le déclenchement c'est pas ça. Mais est-ce que ça vient du ventilo ou pas? Ben, donc du coup, plus simple, je repurge et je vais tester les calorstats. Donc petit test basique pour tester le déclenchement du calorstat. Donc à gauche celui qui était monté sur le moteur qui chauffe et à droite celui qui était sur le moteur que j'ai cassé. Le but c'est juste de les faire chauffer au décapeur thermique et de voir ben, s'il y en a un qui se bloque ou pas avec la température, ce qui sous-entendrait qu'il ben, n'ouvre pas ou alors qu'il reste tout ouvert et que du coup le ventilateur ne déclenche pas. Bon, c'est quand même assez flagrant. Là, on voit clairement que celui de droite, il déclenche, alors celui de gauche, il n'a pas bougé d'un copec, quoi. Donc, juste pour info, spoiler, je les ai fait refroidir, j'ai retesté. Celui de gauche, il met à peu près 40 secondes. Et celui de droite, il met 10 secondes à ouvrir avec le décapeur thermique à la couenne posé dessus. Voilà, maintenant, nettoyage. Donc, de l'eau, toute bête, branchée dans le radiateur, on dévisse la vis de purge, on fait tourner la moto et... Et on nettoie ben, tout ce que j'ai pas pu nettoyer qui est du coup à l'intérieur du moteur pour enlever la maillot. C'est parti. Bon, on repurge et tout pour la 26e fois et là, sous vos yeux ébahis, la moto déclenche enfin. Enfin. Bon, elle roule pas, hein, donc elle déclenche à ouais, 108, 110. Elle monte à 113 degrés là sur la capture que j'ai fait, mais bon, avant c'était 117 à l'arrêt et elle déclenchait pas. Donc là, on va renettoyer, rouler un peu avec, renettoyer le circuit. Donc là, bah, je vais tester ma réparation, je vais rouler le 16 février au Driving Center du Paul Ricard et voir du coup si j'ai de nouveau de la maillot avant d'aller m'engouffrer 3 jours en Espagne. Bon, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu plus longue que d'habitude, j'espère que ça pourra en aider certains. A très bientôt, abonnez-vous et portez-vous bien. Ciao.